Alors la banque, comment ça s'est passé? À nos âges, on ne prête plus. Alors tu vas les payer comment les travaux? Ah Michel! Quoi la brasserie? Je me disais que je pourrais vendre mes parts. Tu me dis ça il y a 2 mois? Je t'ai dit oui tout de suite! J'ai payé les dettes et l'avocat du divorce. J'avais des parts dans ton mariage, moi? Tu peux pas comprendre, toi, la tienne, elle t'a tout laissé. Elle est morte, Denis. Moi, j'ai pas eu cette chance, moi. Qu'est-ce que tu fais maintenant? T'es mannequin, alors? Ah ben non, je suis acteur. Tiens-toi droit, envoie un petit peu ton bide. Vous savez, les sexy génères, c'est très tendance. Vieux et sexy, c'est ça l'avenir, mon pote. Bah, c'est peut-être pas le tien, hein. Et c'est payé combien, ton truc? 5 000. Quel pro, Michel, c'est magnifique. Tenez. Ben non, on avait dit en cash. Non mais Denis, 8 000 en cash, ça s'est jamais vu. Ah ouais, 3 000 de com. 10%. Le gros pourcent alors. Hein. Quoi? Tu dormais? Je suis pas seul, Denis. Oh, t'as tout compris, faut coucher pour réussir. Mais tu fais le mannequin maintenant? Le cintre, je dirais plutôt. Tu me donnes quel âge? Et tu vas pas t'y mettre, toi aussi? T'attends quoi? De tout perdre et de mettre tout le monde à la rue, c'est ça que tu veux? On était à ça d'y arriver. Tu te rends compte de la merde dans laquelle tu nous mets? Tu t'es regardé, Denis? Ah ouais. Parce que tu crois que ta gueule, elle vaut plus que la mienne? T'es pas bon en chiffres, t'es pas bon en expression. T'es bon en quoi, exactement? En amitié. C'est ton pote, lui? Oui, hein? Ouais. Je le connais pas. Il me colle depuis tout à l'heure.